Excellent Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce matin parce que tu nous as bénis. Seigneur, nous ne pouvons pas nous taire lorsque la bénédiction est visible. Seigneur notre Dieu, de nos yeux physiques, nous ne pouvons pas voir grand-chose. Mais de nos yeux spirituels, Seigneur, nous voyons que tu es grand et tu interviens. Raison pour laquelle, Seigneur notre Dieu, nous le savons tous, que tu es le Dieu de ces lieux. Seigneur notre Dieu, si tu nous as amenés en ces lieux pour prêcher la parole, Seigneur notre Dieu, nous te demandons que cette église progresse, croisse, Seigneur notre Dieu, selon toi et non selon les hommes. Nous voulons, Père de gloire, que ton serviteur Basile Chilombo, Seigneur notre Dieu, toute sa famille physique ainsi que spirituelle, soit bénie. Seigneur notre Dieu, nous te demandons, Père, d'exaucer nos prières, car tu as dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, alléluia, et je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous avons crié, en ce lieu, Seigneur, nous avons crié. Et maintenant, nous attendons, Seigneur, que le ciel s'ouvre pour que la bénédiction, Seigneur, nous soit arrosée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons la semaine entre tes saintes mains. Oui, nous aurons chacun une activité à faire. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de nous garder, de nous protéger contre, Seigneur notre Dieu, les stratégies des hommes, contre les incidents et les accidents. Nous te demandons de nous épargner contre toute attaque diabolique au nom de Jésus. Nous détruisons avec force le plan de l'ennemi qui veut détruire le ministère. Seigneur notre Dieu, toutes sortes d'ennemis, Seigneur notre Dieu, nous te demandons que tu sois au centre. Lorsque Paul était, Pierre était en prison, Seigneur notre Dieu, il dormait, mais tu l'as envoyé l'ange pour le réveiller. Il y a des gens qui sont dans le sommeil profond. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de le réveiller afin qu'il puisse te servir. La moisson est grande, Seigneur. Nous avons besoin des serviteurs, Père de gloire, pour paître les troupeaux. Nous voici auprès de toi, Seigneur. Nous voulons rentrer en paix. Accorde-nous cette grâce. Protège-nous, Seigneur, que l'ange nous conduise jusque dans nos demeures. Oui, nous allons utiliser le véhicule fabriqué par la main d'homme. Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu sois le meilleur conducteur possible pour nous amener dans nos maisons. Que la semaine prochaine soit une semaine bénie. Que chaque personne, Seigneur notre Dieu, tout ce qu'il le fera, Père de gloire, que la production soit visible. Père de gloire, enlève l'esprit des doutes en nous et place l'esprit de la foi pour que nous puissions progresser dans tout ce que nous allons faire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous bénissons cette assemblée qui nous a accueillis, qui nous a offert une place pour parler de toi. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Amen.